et te dire, oh, voilà, il est, tu vas dormir avec ça. Mmh. Et puis tu vas te réveiller, là, là. Maintenant, trois jours après, il t'envoie, il te dit de donner l'argent maintenant, je suis à la maison, qu'ils vont faire le travail. Je peux poser une question, mon frère, la nature? Oui, vas-y, ouais. Ok. Ce que tu as dit, effectivement, on entend souvent, on voit souvent. Mais pourquoi eux qui sont à mesure de te donner ces milliards-là, eux-mêmes, là, ils n'ont pas? Ah, ça, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut poser une question, ça, là. Bon, ta question est tellement bien posée. Et ta question, c'est une très bonne question. Ces personnes-là, je vais vous informer, ces personnes-là, c'est des grands croyants. C'est des personnes qui ont fait des études. Et puis les personnes même que vous-même, vous ne pensez pas qu'ils font ça là. C'est eux qui font ça. Ouais. C'est des personnes là, ils ont une poursuite, ça dit qu'ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont une belle maison. Ça dit quand tu les vois, ils sont bien vus au fait. Ça a dit que je vais prendre un exemple un peu, a dit que c'est des personnes comme ceux qui anarquent un peu les gens. Mm-hmm. Mais ils ont une belle vie quoi. Mm-hmm. C'est des grands religieux. Ils ont une maison. Ça dit que ni les restes là, quand tu arrives celui-là, t'entends même tu es fiancé déjà. Quand tu vois sa voiture, sa maison, et puis lui-même il te montre ce qu'il a réalisé. Mmh. Ah ouais. Voilà. Et puis comment on appelle? Je connais un Richard Oudi, qui a subi ça, Oudi l'a aplati. Et puis Nassili Nassili de Bruno, nous au Dimanik, Nassili qu'on a caban. Une fois tu as bu ça là, c'est fini. C'est comme signer papier. Une fois tu as bu ça, c'est fini. Tu te vivais. Moi je l'ai vu deux fois. Ça dit essayer de regarder encore la vidéo. Elle a parce que moi la vidéo j'ai regardé plusieurs fois. Elle a dit que non, il y a des choses que elle peut pas expliquer là. Mm-hmm. C'est-à-dire elle-même l'a dit que pour expliquer, même là, c'est qu'on va expliquer au fait. Mm-hmm. C'est vrai, le combat il est noble, hein? Le combat il est noble, mais il faut que vous tapez encore pour garder. Avec le temps, là, elle va essayer d'expliquer les choses, en fait, tu vois un peu, non? Parce qu'elle a dit dans la vidéo, elle a dit que non, il y a des choses qui n'ont pas tout étalé là, au fait. Mm-hmm. Mais les gens ont pensé que non, mais pour masquer la chose, elle a fait croire que non, quand quelqu'un meurt là, il y a des choses qui sont là. Mais elle a fait ça, elle a dit ça pour masquer les choses, quoi. Pour ne pas dire ce qu'elle-même elle a fait au fait. Mm-hmm. Sinon, vraiment, les sommes là. Et puis même les gens même qui sont en Angleterre là, les gens qui leur disent avoir les sommes là. Et puis même, il faut voir ce qu'elle a dit là. Attends, nous en Angleterre. Mmh. Quand elle a dit que non, quand un joueur il n'a pas d'assurance, c'est faux. Fait, c'est des paroles, c'est faux. Même un enfant, tu dis ça n'existe pas, c'est faux. Un joueur, il a de l'assurance. Même quand il meurt, l'assurance continue. Elle a des enfants. Oh, ben, oui, elle dit quoi. Mais elle a dit ça pour se défendre, en fait. C'est-à-dire, elle-même, elle dit que c'est quelque chose, elle rentre déjà, elle ne peut plus sortir, en fait. Donc, il faut les gens pour l'aider. Voilà, mais en gros, comme on dit en Doula, c'est-à-dire, il y a Doula, le Bible, là, quoi, c'est tout. Over. C'est même ce qu'elle a créé. Je vais commenter à répétition, sinon je vais te bloquer. Over. Arrête de mettre le même commentaire en répétition, sinon je te bloque. Merci. Donc, c'est l'info Maraboula qui ont fait croire à Mada qu'elle va devenir milliardaire 10 fois. Effectivement. Hein? Mais toi, tu la connais où? Et puis, tu connais dans les moindres détails comme ça. Tu connais raconter comme ça tout. Non, lui, attends, non, lui, je passe ça. Quand son père et moi, ils ont dit ça. Mais eux-mêmes là, ils ne savaient pas que les pères faisaient ça. Hein? Ils ne savaient pas que les pères faisaient ça, oui. Et ce que tu as dit, il n'y a pas dit les renommées, il y a des personnes que toi-même tu crois là, que tu crois que sont des grands religieux, ils font ça. Et puis c'est des musulmans, c'est des musulmans. Et puis écoute-moi, hein, c'est des musulmans qui sont renommés, même, toi, faut les mains, qui sont renommés même, qu'on connaît même, qui font ça. Adam. On ne sait plus à qui se fier. C'est des personnes qui sont. Quand on les connaît même, ils sont fichés. Mais tu ne peux pas imaginer qu'ils font ça. Même lui-même, ses enfants, même là, ils ne savaient pas qu'ils faisaient ça. Mais c'est quand ils sont morts, ils ont découvert ça. Maintenant, moi, mon ami, il a fait ça devant moi. Moi, il a failli fuir. Là, il était moi, c'est Kabou, moi, il a failli fuir. Hein? Oui. Et puis là, tu prends, toi-même, tu touches, tu prends. Il y a le numéro, même, tu prends tout. Tu touches même tout ça. Hein? Ouais. Wesh. Je suis dans mais quoi? Lui, mais mon ami, là, son père, là, c'était un grand religieux. Son nom de son père, c'était un grand religieux. Donc, l'argent a rempli la chambre. Maintenant, toi, tu as fait combien dedans? Non. Maintenant, si quelqu'un fait ça, il m'a dit ce que voilà, c'est que leur père, leur père faisait en fait. Mais lui, il va détruire tout ça. Il n'a pas besoin de ça. Mais si lui devenir riche là, ou bien il va attirer les gens, il va faire ça, il va devenir riche. Mais lui, il va pas faire ça. Les mots me manquent, je n'ai plus rien à dire. C'est comme ça, elle est rentrée dedans en fait. Ah bon?
Où est l'ami là? Elle va nous montrer. On va reprendre. Je le suis. Où est l'ami? Voilà. Donc essayez. Mais je vous dis, elle va venir, elle va vous approcher, elle va vous expliquer en le fond et en détail. Ça va venir quoi? Mais c'est parce qu'il y a trop de choses, elle a trop de choses sur elle. Ouais, là, mais elle met les ménages, en fait. Sur la base, même, c'est ça, en fait. Mais du coup, elle-même, elle s'est mise dans quelque chose qu'elle n'arrive pas. C'est-à-dire, elle est elle fera des signes, quoi. Parce qu'elle a dit comme ça au départ, là, tu ne rentres pas dedans. Quand tu es propos, tu refuses. Quand ta maman t'envoie à la boutique pour aller payer l'huile, on te donne 100 francs. Et puis tu t'en vas jusqu'à tu pleures pour revenir pour dire 100 francs est tombé sur la route. Tu sais pas où c'est rentré là. On lime ta nuque, puis on te met devant. Allons, tu vas montrer où l'argent est tombé, puis on cherche ensemble. C'est ce qu'on va lui faire. On va limer sur sa nuque là. Et puis on va la mettre devant. Ouais. Et puis elle va aller nous montrer où elle a fait tomber tout l'argent là. Et puis ça a disparu. Là, elle va vendre les biens. Vous venez donner l'argent. Et voilà. Pourquoi elle rentre pas en contact avec nous pour nous dire ça? Et puis, où elle arrive? Ceux qui lui ont fait ça, on va. Elles arrivent. Allô? Et allô? Et puis ça, c'est un conseil pour tous les frères. Ceux qui vont chez les marabouts pour aller faire les trucs là. C'est pas ça, ils sont en Athènes, en fait. En gros, c'est ça. Vous qui écrivez ces bons dessins, les modos bloqués, c'est pas vous qui dites quand quelqu'un finit. On veut dire de tapoter, vous n'êtes pas encore arrivé à 1 million de tapotage, c'est vous qui voulez grain. Tapoter, c'est pas vous qui dites qui parle ici, c'est moi qui donne la parole. Vous tapotez et puis on suit. Il n'a pas fini encore, il va nous donner tous les détails dessus. Donc essayez d'aller doucement avec elle. Elle-même, elle va tout. Mon frère, on va pas attendre. Écoute-moi. Ta connexion s'entrecoupe. Je te promets qu'on ne va pas aller doucement avec elle. Parce qu'on ne l'a pas envoyée là. D'accord? Non, on ne va pas aller. Parce que si c'est ça que tu es venu nous dire là, c'est qu'il faut commencer à descendre. On ne va pas aller doucement avec elle. On va aller. Ce que tu viens de dire là même là, ça nous a révolté deux fois plus encore contre elle. Voyez, ça veut dire qu'elle est bête comme ses pieds. Voilà. On ne va pas aller doucement avec elle. Non, je n'ai pas dit. Riche comment? Toi, tu veux devenir riche comment? Dans ta famille, là, il y a un milliardaire dedans. Est-ce que dans ta famille, là, il y a quelqu'un qui a eu toute cette somme? Toi, tu veux devenir riche comment? Juste quand tu vas aller encore chez Marabout pour aller, ils vont prendre ça dans ta main. Ni Lara Sayate. Hey, le monsieur a joué ballon, tu as eu la chance, malheureusement pour toi, parce que c'est un malheur. Mais derrière ce malheur-là, Dieu t'a permis de devenir milliardaire. Bon, ça là, tu dois faire quoi chez Marabout pour devenir quoi? Parce qu'on cherche l'argent pour devenir millionnaire ou milliardaire. Toi, tu es milliardaire. Tu veux devenir qui? Hein? Tu veux disparaître, tu veux traverser le mur, quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives devant ta porte, là, tu mets pas la clé dans la serrure pour ouvrir. Toi, tu rentres directement. C'est ce pouvoir-là que tu veux avoir. Tu veux pouvoir traverser les murs, voir derrière la porte sans ouvrir la porte, je sais pas, t'envoler la nuit pendant que les gens marchent. Tu veux devenir qui? Je sais pas. On cherche l'argent pour devenir millionnaire ou milliardaire. Tu es devenu milliardaire. Tu t'en vas chercher quel modèle d'argent encore? Je sais pas. Tu peux pas travailler ce que tu as là pour avoir ce que tu veux là. Tu as fonds de commerce là. Tu as fonds de commerce. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire usine de chips si elle voulait. Hein? C'est chez elle, toutes les vendeuses de chips, ça vont payer poisson de chips dans l'usine là. C'est chez elle, toutes les vendeuses de chips, ça vont payer riz pour faire chips. C'est chez elle, toutes les vendeuses de chips, ça vont payer yet pour faire chips. Saint-Joseph, on s'en fait payer huile. Elle pouvait faire usine de vente de chep au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, partout où elle voulait. Pauvre jusqu'à ta mort. Et en plus de ça, tu as plus de presque 2 milliards en ta possession en espèces. Tu cherches quel modèle d'argent encore? Non, même si 2 milliards là, tu as moyen tout dans ta bouche là, même que tu as fait commerce, mais puis commerce là n'a pas réussi, tu es tombé là. Les immeubles, les maisons là, tu peux jamais, ça là, ça va te nourrir et tes enfants, tes petits-enfants, les enfants de tes petits-enfants, dans la paix du Seigneur. Ni nata bayate moromo là, tu peux pas devenir, hein, ou bien, tu peux pas devenir pauvre encore. Ça c'est vrai. Donc voilà, se fout royalement du monde. Et ça là, nous on s'en fout de Marabout a fait où, Marabout n'a pas fait où, c'est elle qui est allée les traîner au secret. C'est elle qui est allée à eux. Ouais, ça c'est vrai. Si elle n'est pas partie à eux là, ils vont pas l'escroquer. Ton mari est mort, c'est vrai, tu étais jeune. Mais tu restes, tes parents sont là. Tu restes tranquille. Ça, tout ce que tu as à faire désormais, c'est avec les parents de ton mari et tes parents. Toi, tu te coupes de tout cela, des amis de ton mari, tu te coupes le téléphone de tout cela. Et puis tu t'enterres dans la jungle avec quelqu'un qui s'appelle Jojo.
Quelqu'un qui est censé être le bon petit. Ouais, c'est vrai qu'elle a fait. Hein? C'est parce qu'elle-même, elle est maudite, elle est mauvaise. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Elle a un mauvais fond comme Jojo là. Voilà pourquoi elle a accepté de le suivre. Voilà. Tu sais, quand tu n'es pas quelque chose là, on ne peut pas te blaguer pour te faire, pour te mettre dedans. Moi, je suis venu en France ici là. Je suis venu très jeune en France. Mais on aurait pu me blaguer pour me mettre dans tout et n'importe quoi. Mais comme j'ai une personnalité, j'ai fait 50 de cola, quelque chose.